Mais ces messieurs, comme ils veulent mourir au pouvoir, ils ne veulent pas les changer. Donc, nous devons faire en sorte de le ramener sur terre, parce qu'actuellement, il est dans les nuages. Et quand on était petit, on disait, si tu te comportes mal, on va te donner un petit sachet de comportement. Non, je n'appuie pas. C'est pas vrai? Au décembre, on disait ça. Donc on va lui distribuer quelques petits cocottes. Lui et sa clique avec Ahmed Bakayoko. Donc il faut faire en sorte d'empêcher cette élection. Nous avons des prisonniers qui sont là-bas depuis environ 10 ans. Et pire encore, dernièrement, nous avons des femmes, Pucherie Balé et bien d'autres femmes qui sont emprisonnées. C'est une honte. La Côte d'Ivoire a besoin de retrouver la démocratie. La Côte d'Ivoire a besoin de retrouver la réconciliation de ses fils et de ses filles. Et nous sommes engagés dans cette voie-là. Et le mouvement citoyen ivoirien pour la réconciliation, la paix et la culture s'engage aux côtés de tous nos leaders pour aboutir à cette paix véritable dans la désobéissance civile en préparant les élections du 31 octobre pour que nous soyons assis tous autour d'une table pour discuter pour des élections démocratiques. Je vous remercie. Je vous remercie, on applaudit, mesdames et messieurs. On applaudit, mesdames et messieurs. Merci. Germain. Est-ce qu'on va danser un peu? Non, là, les deux, non, ils sont fatigués. Le dernier intervenant va venir. On va bouger un peu. On va bouger un peu là. Alors, la régie. Bon, applaudissez pour mon DJ. Applaudissez pour mon DJ. Si c'est un responsable politique et DJ, c'est moi. C'est mon boy. Est-ce que ça va? Je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier de mon pays. Pays là, ils vont briser jusqu'à ce qu'on pas fini. Tout le monde! C'est comme ça qu'on est là, suivez ici, suivez! Il va prêcher. D'accord, il va annoncer la bonne nouvelle. Avec ta permission. Il va annoncer la bonne parole. Avec ta permission. Oui. Je voudrais remercier les Ivoiriens. Ok. Voilà. Je vois des gens qui habitent vers Cameroun qui sont encore là. Des gens qui sont à Milan qui sont encore là. Formi qui sont encore là. Je voudrais vous dire merci. On est venu pour un message. Et nos leaders politiques sont intervenus. Et on a toujours un orateur principal dans les meetings. On a toujours un orateur principal dans les meetings qui boucle la boucle. On va vous demander, s'il vous plaît, approchez-vous. Il voit rien, il voit rien. Venez. Venez.
On va écouter notre orateur du jour. Et après lui, Kadji Seri va nous boucler cette boucle. Approchez, quittez sur la voie publique. On va se laisser. Parce que nous, on est fatigués. Voilà. Donc, rapprochez-vous avec le maître de la parole. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vous ai dit que lui, c'est le droit qu'il enseigne. Je vous ai dit que lui, il est écrivain. Je vous ai dit que lui, il se bat pour les droits de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure même, il vous a fait sentir ça un peu. Il est rentré dans tout son état. Pourquoi les Italiens se foutent des Ivoiriens? Ça, lui, il n'aime pas ça. Il est légaliste. Il est légaliste. Marco. Il est légaliste. Deuxièmement, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi nous détestons
le pasteur Fidel Pabukela, qui est mon ami et mon frère. Je ne suis pas spécialiste de la Bible. Mais dans la Bible, il y a un personnage qui m'a marqué. Il s'appelle Paul. Et la Bible nous dit que ce Paul, il était un persécuteur de tous ceux qui croyaient en Dieu, tous ceux qui croyaient en Jésus. Là, nous sommes dans les actes des apôtres. Le Saint Paul, il persécutait tous ceux qui croyaient en Jésus. Il les blessait, il les tuait. Et puis un jour, Dieu se révéla à Saint Paul, en allant à Damas, je crois. Et Saint Paul fut foudroyé. Et lorsque Saint Paul s'est retrouvé, Saint Paul est devenu le plus grand défenseur de Jésus-Christ à travers Israël. Chers amis, le Saint Paul, c'est qui? Le Saint Paul, c'est qui? Je commence d'abord par le président Ari Konobédié. Hier, nous étions dans la rue. Notre pays a été bombardé par la France. On était seul, on était orphelin, on a crié dans la rue. Il y en a qui disaient qu'on était fous. On a perdu 10 ans, on a abandonné nos familles en Côte d'Ivoire. Je parle sous le contrôle de tous les exilés, mon ami et président Stéphane Kipré. Je parle au nom du ministre Eric Kaé, mais je parle au nom du ministre Issa Malik, mais je parle au nom du maire Akossi Bendo. On a abandonné nos familles pour venir en exil. On militait avec vous. Et les gens disaient qu'on était fous. Et que la communauté internationale, on ne pouvait pas la vaincre. Aujourd'hui, le président Ari Konobédié est devenu le porte-flambeau du combat que nous menons. Je voudrais qu'on salue le président Ari Konobédié. Parce que Ari Konobédié est l'héritier du Fekwani. Et hier, quand il était avec Ouattara, et hier, quand il était avec Soro, on avait mal, on était gênés, on était en fait de pitié. Et Ari Konobédié, aujourd'hui, c'est Ari Konobédié qui parle. Et la Côte d'Ivoire est debout. Vive le président Ari Konobédié. Mais à côté du président Ari Konobédié, mais il y a un Saint-Paul encore plus grave. Il y a un Saint-Paul qui est encore plus grave. Il était scellé. Il était le plus scellé parmi ceux qui tiennent les chrétiens. C'était le plus scellé. Le jeune frère Guillaume Soro a été très scellé dans la rébellion. Il a été le plus scellé. Mais aujourd'hui, c'est ce scellé qui a pris le combat du patriotisme. Je voudrais le saluer, lui, Guillaume Soro. Et c'est pour cela qu'à Paris, lorsque j'ai été mandaté par ma coalition EDS, qui est proche du président Laurent Gbagbo, lorsque j'ai été mandaté pour aller à la conférence de Guillaume Soro, lorsqu'il m'a aperçu, il a demandé à me rencontrer pour que nous puissions échanger. J'ai été à son rendez-vous. Pendant 4 heures, nous avons échangé. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas aimé la photo de Dr Poga avec Guillaume Soro. Je n'ai pas demandé à faire de photo avec lui. Mais quand je suis allé, le président Guillaume Soro s'est levé et il m'a demandé à faire une photo. Je n'ai pas refusé. Mes chers amis, si nous ne sommes pas Dieu pour être des miséricordieux, au moins soyons humains et ayons du tact. Oh non, c'est une trop belle femme. La phrase est trop belle. La phrase est trop belle. Alors je la reprends et je l'explique. Si nous ne sommes pas Dieu pour être des miséricordieux, au moins soyons humains et ayons du tact. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on ne peut pas se mettre à la place de Dieu pour accepter le pardon de celui qui nous a fait mal, au moins soyons des humains et puis ayons la manière de parler à l'autre qui est en face de nous. On ne parle pas de réconciliation aujourd'hui avec Guillaume Soro. On ne parle pas de justice aujourd'hui avec Guillaume Soro. On a un problème en Côte d'Ivoire qui s'appelle Alassane Ouattara.
ancienne, que je voudrais saluer. Dans son parti politique, il a été rayé. Dans son parti politique, on a déchiré son nom. Dans son parti politique, on l'a hué. Dans son parti politique, on l'a maudit. On dit qu'il a voulu tuer Babo. On dit qu'il a voulu tourner la page de Babo. Mais aujourd'hui, c'est lui, à côté de Bédier, qui parle et la Côte d'Ivoire est debout. Je voudrais saluer mon frère Afi Nguesso. Chers amis, chers frères, cette crise, elle a été longue, mais Dieu nous enseigne. On était divisés, on s'est fait la guerre, mais vers la fin, on est en train de se réconcilier et à la Sainte Amouatra va partir. Le quatrième, il était directeur de cabinet de Ouattara. Il était avec Ouattara. Mais quand j'ai vu la manifestation au stade Félix Houphouët-Boigny le 10 octobre 2020, j'ai apprécié son discours parce qu'il a été franc, il a été direct et il n'a pas mâché ses mots. Il nous a dit, et j'ai retenu, aucun Ivoirien ne fera aux Ivoiriens ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire aux Ivoiriens. Je te salue le ministre Amon Tano. Je voudrais qu'on salue le ministre Amon Tano. Bon, le dernier. Non, le dernier. Le dernier. Je parle et aujourd'hui, à partir de Parma, je lui adresse la parole. Il était invité sur Afrique Média, à la télévision. Après lui, j'ai été invité. J'ai été très dur avec lui. Quand on a fini Afrique Média, il s'est débrouillé, il a trouvé mon numéro, on s'est parlé. Et on a échangé. Et on s'est dit des choses. Mais je ne dis pas son nom. Je vais lui dire ici, si lui, il est en campagne pour l'élection du 31 octobre 2020, moi, Boga, nous, opposition, on est en campagne pour le boycott actif. Donc si tu es mon frère, que tu es du côté de celui qui tue mon pays, chers frères, on va s'affronter. Je le dis parce que c'est mon frère. Je le dis parce que nous nous sommes parlé. Maintenant, si ce que nous nous sommes dit, il n'a pas tiré de leçons et qu'il bat campagne pour l'élection du 31 octobre, qu'il sache que nous aussi, on est à la désobéissance civile et nous allons nous affronter. Donc, ceux qui ont compris, ont compris. S'il a compris, je lui dis qu'il comprenne. On t'envoie, faut savoir t'envoyer. Petit moment. Chers amis, dans le deuxième point, je vous dis, pourquoi nous détestons Alassane Ouattara? Je salue les Ivoiriens qui sont connectés sur OVENCHOP. Je salue la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire une vérité. Nous ne sommes pas xénophobes. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Qu'Alassane Ouattara soit burkinabé, on s'en fout. Que M. Thiam soit sénégalais, on s'en fout. Je dis, nous on en direct. Les Ivoiriens, oh, ils n'ont pas un problème là, avec ça. Un Africain qui vient d'ailleurs et qui est dans leur pays. On a tout. Je dis, les Ivoiriens n'ont pas de problème avec un Africain qui quitte dans son pays pour venir en Côte d'Ivoire. On s'en fout. Le problème de la Alassane Ouattara, qui fait que nous sommes opposés à lui, il fait que nous allons le combattre jusqu'au dernier tour. C'est parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire et il n'aime pas les Ivoiriens. Chers amis, je vous dis la vérité. Est-ce que je suis en train de vous dire, je l'ai écrit dans mon dernier livre, qui est le président de la République? Parce que je considère que finalement, est-ce que c'est la couleur de peau? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est d'où tu viens qui fait d'un homme politique un bon président de la République? Non! Pour diriger un peuple, il faut aimer le peuple. Alassane Ouattara n'aime pas la Côte d'Ivoire et il n'aime pas les Ivoiriens.
Chers amis, dans les années à venir, nous devons réfléchir. Parce que j'espère que demain, on va mettre au programme le service militaire obligatoire. Parce que quiconque se dit ivoirien, il doit aimer la Côte d'Ivoire et son cœur doit battre au rythme de la Côte d'Ivoire. Nous devons servir notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous devons mourir pour notre patrie. Et je voudrais vous dire cela. La dernière chose, et j'en aurai fini. Chers amis, depuis deux jours, l'opposition qui était dans la désobéissance civile, depuis le 20 août 2020, l'opposition est tombée dans le boycott actif. Je vais expliquer à quelqu'un qu'est-ce qu'on entend par boycott actif. Je vais expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il faut entendre par boycott actif. Parce que, avec l'adjectif qualificatif actif, c'est que ce n'est pas un boycott passif. C'est un boycott actif. Je dis, ce n'est pas un boycott passif. Ce n'est pas rester chez toi et puis je boycotte. Non, il est actif. Il faut de l'action. Cela veut dire quoi? Le 31 octobre 2020, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je dis, le 31 octobre 2020, Monsieur Lassalle va être venu défier. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc le président actif veut dire, moi Boka, je n'irai pas voter. Mais si je ne vais pas voter là, toi aussi, tu n'iras pas voter. Parce que si moi je ne vote pas, et que toi tu votes, ce que tu vas voter là, ça va me tuer. Donc, je ne vote pas, mais toi aussi, tu ne voteras point. À partir du lundi qui arrive, les Ivoiriens vont bloquer ce pays. La Côte d'Ivoire sera paralysée. Et nous allons dire à M. Alassane Ouattara, que tu sois le fils venu d'ailleurs, tu ne peux pas venir nous mettre à genoux sur la terre de nos ancêtres. Tu ne peux pas. C'est pour cela que je suis fier pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, parce que les Italiens nous ont créé quelques petits soucis. Mais je vais vous dire, la Côte d'Ivoire de demain, nous n'allons plus laisser quiconque venir marcher sur notre pays. Jamais. Et je vais dire, chers amis, regardez cette image. Quand je dis que les Ivoiriens n'ont pas de problème avec l'origine des Burkinabés, je vous donne deux images. Alassane Ouattara d'un côté et un exemple, M. Jean-Louis Pion de l'autre côté. M. Jean-Louis Pion est métisse. M. Jean-Louis Pion, sa mère est de Tabakara. M. Jean-Louis Pion a un père français. Donc normalement, si les Ivoiriens sont xénophobes, si les Ivoiriens n'aiment pas Thiam, si les Ivoiriens n'aiment pas Ouattara, mais pourquoi les Ivoiriens aiment Pion? Pourquoi les Ivoiriens aiment Jean-Louis Pion? Je vais vous expliquer. Les Ivoiriens, il faut leur montrer que tu aimes leur pays. Jean-Louis Pion, métisse, mais son père a la plus grande industrie dans notre pays. Les Jean-Louis Pion ont investi en Côte d'Ivoire. La famille Pion a témoigné de son amour pour la patrie. C'est comme un garçon qui était dans la résistance patriotique et qui s'appelle Sam l'Africain. Il est d'origine étrangère, mais il aime la Côte d'Ivoire parfois même plus que des Ivoiriens. Donc je prends l'exemple de Jean-Louis Pion pour dire à M. Ouattara qu'on ne peut pas le comparer à Jean-Louis Pion. Jean-Louis Pion est un fils de la Côte d'Ivoire dont le sang ressemble à la Côte d'Ivoire, dont les actions ressemblent à la Côte d'Ivoire et qui se bat pour la patrie appelée Côte d'Ivoire. Oh, tu dis que tu es Burkinabé? Non, tu ne veux pas. Tu dis que tu es Ivoirien? Non. Tu diriges la Côte d'Ivoire? Mais tu n'aimes pas les Ivoiriens. Tout ce que tu fais, tu découpes les Ivoiriens, tu machettes les Ivoiriens, tu incarcères les Ivoiriens, tu fais tuer des Ivoiriens. Chers compatriotes, vous qui m'écoutez depuis la Côte d'Ivoire, merci. Vous qui m'écoutez depuis la Côte d'Ivoire, je suis en train de finir, c'est ma conclusion.
On a passé 10 ans à résister aux côtés du président Laurent Gbagbo. Vous savez pourquoi nous aimons le président Laurent Gbagbo? Ah, Dieu merci. C'est ma belle conclusion. Je vais dire aux gens du FPI, je ne suis pas FPI. Je vais dire aux Ivoiriens qui sont pétés de l'ethnie de M. Gbagbo, je ne suis pas un pété. Je vais dire aux Ivoiriens qui étaient dans le staff de Laurent Gbagbo, dans son gouvernement en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais été dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Pire, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent, j'ai beaucoup critiqué Laurent Gbagbo quand il était président. Mais ce qui nous fascine chez cet homme, ce que nous aimons chez cet homme, c'est l'amour qu'il a pour son pays. C'est l'amour qu'il a pour son pays. De génération en génération. Badi, hier on a eu ce débat avec les jeunes frères de GPS, avec Doumbia Zouzou. Doumbia Zouzou nous a dit, les gens comme les Laurent Gbagbo, il y en a un par siècle. Je dis non. En tant qu'enseignant d'université, je défends. Les Laurent Gbagbo sont versés en Côte d'Ivoire. Les Laurent Gbagbo sont versés en Afrique. C'est fini, ce qu'il a semé est immortel. Laurent Gbagbo nous a appris à aimer un pays. Quand j'ai lu les livres, j'ai voyagé dans le monde. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Israël, partout. Je n'ai pas vu un homme politique capable de rester dans la résidence présidentielle pendant qu'on bombarde la résidence présidentielle. Jamais! Jamais! Ce que Laurent Gbagbo nous a appris, c'est l'amour pour notre pays. Et dans ma conclusion, je vais dire aux Ivoiriens, chers amis, Ouattara nous a lancé un défi. Mais le défi que Ouattara lance, il ne le lance pas à Bédier. Bédier a 86 ans. Mais le défi que Ouattara nous lance, il ne le lance pas à Gbagbo. Gbagbo a 76 ans, 75, 76 ans. Le défi que Ouattara nous lance, il ne lance pas à Madame Laurent Gbagbo. Elle a déjà entre 70 et 71 ans. Le défi que Ouattara lance aux Ivoiriens, il le lance à notre génération. Il le lance à vous. Il le lance à moi. Il le lance à nos enfants. Si nous laissons Ouattara, dès le 31 octobre, être encore président de Côte d'Ivoire, nous sommes morts. Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Souvent, les gens disent, Dr Boka, il est virulent, il est puissant, il parle, il est agressif. Mais ils ne savent pas que c'est pour ça que Dieu m'avait sorti pour m'envoyer en exil. C'est pour ça que Dieu m'avait sorti pour m'envoyer en exil. Parce que Dieu sait que si j'étais en Côte d'Ivoire, je serais déjà mort. Donc Dieu veut que je vienne ici pour continuer à le blesser avec mon verbe et mon intelligence. Je vais dire aux Ivoiriens, c'est un défi, mais c'est le défi de la vie. Ou bien c'est Ouattara, ou bien c'est nous. Ou bien c'est Ouattara, ou bien c'est nous. Ou bien c'est Ouattara, ou bien c'est nous. Que Dieu, dans sa bonté, que Dieu, dans sa grâce, nous donne la force, nous inspire, nous protège. Mais que le 1er novembre, M. Ouattara ne soit plus jamais à la tête de notre pays. Que Dieu vous bénisse. On applaudit très fort. On applaudit très fort notre orateur principal, Dr Boka Gervais, secondaire professeur à l'université. Mesdames et messieurs, c'était donc ce grand meeting de l'opposition qui s'est tenu ici à Parma, en Italie. En Italie, voilà, merci, c'est avec ce monsieur que j'ai animé cette cérémonie Marco Marco de Milan. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Ivoiriens sont là? Et si je disais à Gadi, c'est lui de venir vous saluer. Attends. Comme je l'ai dit, Master Mix, Roland, positionne le prochain de King. Merci beaucoup. Positionne le prochain de King. Guess the guest est demandé à la cabine. On veut Gadi.
Dadi, on veut 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 Dadi. Voilà, mesdames et messieurs, ce meeting a commencé à 13h. Il y a des matières, les Ukrainiens sont encore sur pied. Parce que ce qui se passe dans leur pays les intéresse. Et ils veulent mettre fin à la dictature. À la dictature d'Alassane Ouattara. Et on est déterminé. Je vous ai déjà dit, le combat, il n'est pas facile. Il est difficile, mais on va le remporter. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Je salue tous ceux qui sont donc sur la page micro, qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. À partir de la page micro. Merci à vous. Dago. Est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que vous pouvez encore tenir? Draman! Il n'est pas qu'on l'appelle Draman, mais on va le dire. Draman! Pardon, excuse-moi. Tu sais, les Ivoiriens, il a dit quelque chose, il dit qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Draman. Mais quand on dit Ato, il répond. Et là, ça veut dire quoi? C'est ça, ils sont allés inaugurer Star que les Chinois nous ont offert. Et moi, j'ai dit aux Ivoiriens, ils ont écrit sur leur affiche Stade Ato. Le ministre est venu. Il dit c'est le stade Alassane Ouattara. J'ai dit au lieu de dire Ao, Ato, stade là. Quand ils ont fait hôtel des députés à Yamoussoukro, vous avez appelé ça Chitok. On a construit hôpital à Kanoa, vous avez appelé Chitok. On a appelé stade là, stade olympique Chitok de TP. Voilà. On va se réveiller un peu. Hein. Si tu aimes Blégoudé, tape les mains. Si tu aimes Mamkoul, tape la main. Ouais, c'est bon. Si tu aimes Sorokou, si tu aimes Blégoudé, si tu aimes LG, tape la main. Ouais, sur la 4. Si tu aimes Konamédié, tape la main. Si tu aimes Kandoma, tape la main. Si tu aimes Sorokou, si tu aimes Sorokou, si tu aimes Toukse. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, tape la main. Si tu aimes, tape la main. Si tu aimes, tape la main. Si tu veux que Ouattara dégage, tape la main. Si tu veux que Ouattara dégage, tape la main. Si tu aimes le Rabago, si tu aimes Chablegou, si tu aimes Sorogio, tape la main. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, tape la main. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, tape la main. Si tu aimes Konan Bédié, si tu aimes Afinguesan, si tu aimes Bamekou, tape la main. Si tu aimes Gadi Seli, tape la main. Si tu aimes Gadi Seli, tape la main. Si tu aimes Boga Sako, si tu aimes Mako Prada, si tu aimes mon ami, tape la main. Est-ce que c'est bon? Applaudissez pour vous les Ivoiriens. Applaudissez pour vous les Ivoiriens. Révolution. Qui se rappelle du chant de la révolution? Il y a un truc qui est passé sur Facebook où on a vu un jeune Ivoirien, le poing levé, qui marchait. Merci. On a fait cette grande manif en Italie et on merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée là-bas. Merci. Non, vous êtes fatigué.